Eh bien, bonjour à tous, c'est Izark et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors attention, puisqu'il y a quand même pas mal de mecs. Je sais pas si vous vous rappelez sur la précédente vidéo, on devait trouver Ricardo qui est quelque part, donc il est pas très loin. Et je vais quand même buter le mec. Alors il y avait un mec sur la fin de la vidéo qui avait essayé de me buter et j'étais vite parti. Ah bah le voilà. Bah lui on va aller le dépouiller pour bien commencer cette vidéo. Et peut-être qu'il a des munitions qui m'intéressent et je vais même pouvoir fouiller aussi la zone. On va voir. Ça se trouve, je vais prendre extrêmement cher. T'es où mec? T'es où? Il est là, hein. Cet endroit me filait déjà la chair des poules avant que ça parte en live. Bah voilà, sans gaspiller de munitions, c'est nickel. Je voulais voir s'il y avait une sorte de cut ou je sais pas quoi à l'arrière, c'est pour ça que j'ai essayé d'approcher au maximum, mais malheureusement non. Bon. Comme ça, c'est nickel. Je peux ramasser pas mal de choses. Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je vais devoir du coup. Ici, il n'y a rien aussi. Un petit druide qui a morflé. Bon. On va remonter. Faites voir juste, est-ce que... Non, je peux pas faire de medikit parce que là, ma vie est à la moitié et ça me dérange un petit peu parce que je pense que je vais me faire dépouiller. Ouais, je peux faire des grenades aveuglantes, mais bon, je trouve pas ça très, très utile. Hein. Ça va parce que petit à petit, je récupère des munitions sur le lance-flammes. Là, j'en ai 200... 201. Allez. Ça capte rien pour le moment, enfin visiblement il n'y a pas de mec. Ou alors il bouge pas du tout. Il fait bien sombre là. Et de voir, je suis où comme ça. Il fait vraiment très très sombre. Voilà, ça c'est fait. C'est un coup, est-ce qu'il y a des aliens? Ça, on va le ramasser aussi. Est-ce que du coup je peux faire? Non, hasard. C'est pas le bon ingrédient. Et là, ouais, je suis bien parti pour y arriver. J'espère juste qu'il va pas y avoir d'aliens, hein. C'est pas le bon moment. Ok, un peu de lumière, ça fait plaisir. Ça, je peux pas le ramasser. Ça, par contre, si. Ah, nickel. Ou attention. Ah non, c'est Ricardo, non? Je sais pas, je vois pas. Déjà, on va aller se soigner. Voilà. Et on va repasser aux pompes. Allez, tu peux le faire, voilà. Ouais, si, si, c'est Ricardo. Ok. Bon, que la force soit avec moi. Et je pense que j'en aurai besoin. Alors faites voir, je dois aller tout droit puis à un moment sur la gauche. Et c'est une zone que je n'ai pas explorée. Stabilisateur orbito opérant à 40. Porte
porte fermée. Appeler ascenseur, ok. Et là, je sais pas si j'aurais pu. Ah non, verrouiller. Ok, bah j'ai pas le choix, donc faut vraiment que je prenne l'ascenseur. Allez, hop. Oui, de toute façon, il m'a aidé sur les... au niveau des coms. Allez. On est chaud. Enfin, pas trop. Ça va être par où? Par là. On va aller faire une petite sauvegarde, histoire d'être tranquille. Voilà, nickel. Et maintenant, on va se situer un petit peu. Ok, donc c'est tout droit et vers la gauche. C'est vraiment très sombre. Hein. C'est où qui sont les mecs? Donc là, si je me rappelle bien, il y avait une sorte de conduit pour passer en dessous. Voilà. Eh bien, on va le prendre. Je sais pas combien ils sont par contre, mais je pense qu'ils sont nombreux. Hein. Ouais, je me rappelle la dernière fois quand j'étais passé ici, il y avait un droïde et... Ah, je peux pas passer? C'est quoi ce bordel? Ah si, j'ai eu peur. Ouh, je crois qu'ils arrivent. Tout doucement. Porte fermée. Ouais, donc dernière fois en fait que j'étais passé, eh bien j'étais parti de l'autre côté et après je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais fait puisque bon c'est quand même assez lointain, mais j'étais parti là-bas et j'étais pas passé par ici. Donc faites voir, là je suis bien, ouais, ok. Et je dois faire quoi du coup? Trouver l'observatoire de Sébastopol. Utiliser le soudeur. Nickel. On utilise le levier. Hop là. Bon. C'est pas un mec ça? Qui est assis? Si, il y a un mec là. Ok, c'était un mec. J'aimerais bien faire chercher. Voilà. Nickel. Alors, du coup, c'est pas ici. Grimper, d'accord. Juste je vérifie là. Non, il n'y a rien. Bien, on va grimper. Donc, utiliser le système de pistage pour trouver le Torrens. Ok. On va juste profiter un petit peu de la vue. Allez, il est vraiment très très grand hein, comme vaisseau. Hein. Ouais. Bon. Du coup, ça va être cet ordi-là.
Activez la plateforme d'observation. Alors faites correspondre les données. En fait, je comprends pas. Ah, d'accord, ok. Je comprends rien là. Peut-être en restant appuyé. Ah voilà. D'accord, en fait, ouais, il suffit juste de rester appuyé. Parce que bon, j'appuyais à chaque fois sur les flèches et je relâchais, c'est pour ça que ça. C'était pas bon. Alors, commencer le scan d'espace lointain. Alors là, je dois faire quoi utiliser pour contrôler l'alignement de l'amarrage et pour engager. Non, j'ai pas réussi. Est-ce que j'ai réussi hein? Non. Utiliser pour contrôler l'alignement. Ah ok, je vais attendre sûrement pour le cercle. Nickel, voilà en fait c'était ça. Est-ce que ça fait quelque chose là en bas? Ouais. Il se passe des trucs. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire? Oui. Commencer le scan d'espace lointain. Allez, on y croit, on y croit. Enfin. Nickel. Ricardo, je les ai trouvés. Maintenant, aligne les paraboles vers le Torrens manuellement. Ok, je vais dehors. Donc, entrer les coordonnées du Torrens manuellement. Ok, et je dois aller... Où est-ce que je dois aller? Je dois aller là-bas, mais comment faire pour aller jusque là-bas? Donc là, entrer les coordonnées de Torrens manuellement, ouais, j'aimerais bien. Mais comment je fais pour accéder? Parce que si je descends, ça va. Et je suppose ouais, que je dois bien... Bon, on va essayer de voir, je vais redescendre. Tu veux descendre, non? Ah, à chaque fois, je... Voilà. Ok. Là, il s'est rien passé, hein. Non, c'est bon. Alors. Du coup... Comment je vais faire pour accéder jusque là-bas? Ça, c'est la grosse question. J'espère juste que je me trompe pas. Je peux déverrouiller l'entrée du SAS d'ici. Une seconde. Ah bah voilà, nickel. Il y a... J'ai bien entendu, il y a un point de... Ah, ça doit être au-dessus. Bon.
1 et un point de sauvegarde. Où il est en dessous. Allez, allez. Ok. Voilà, le point de sauvegarde, ça c'est bon. On va l'utiliser parce que j'ai pas envie de recommencer tout ça. Nickel. Et de voir juste la pièce. Donc ok, là il y a ça, il y a ça. Bon, ben, ok. Bon. On va changer. Nickel. Porte fermée. Ah. Je trouve que c'est la classe. Je peux pas aller plus vite. Je peux pas courir. Avec l'équipement, c'est sûrement trop lourd. Je vais voir, je suis à... Ouais, ok, je suis vraiment très loin. J'aurais pas pensé en tout cas qu'on serait allé à un moment dehors. C'est quoi ça, ce machin? Allez. On y croit. Je crois que c'est juste là. C'est ça ou quoi? Non, je crois que là y a rien. Ah si. Même l'ascenseur est trop long. Nickel. Alors c'est où? Du coup, terminal. Il est quelque part là, je crois. Ok, c'est là. Entrez les coordonnées du Torrance. Verrouillage du serveur. L'antenne parabolique est actuellement en position fixe. Putain! Ça va régler. J'ai une console d'animation près du transmetteur. Donc, retirez le verrou de l'antenne parabolique. C'est où ça? D'accord, c'est un petit peu plus loin, je dois descendre. Je profite également de la vue encore. Ok, là on rentre. Donc là c'est quoi? C'est... Dish maintenance. Ok, et c'est bien là. Allez, on y va. C'est un petit peu sombre là. C'est quoi ce bordel? Faites voir. Ouais, si, c'est bien là. Ok, c'est ici. Thank you.
que je vais pas rester là, ça me fait peur. Ah, c'est peut-être là-bas que je dois aller. Non. Là, faites voir, il y a quoi allumer le décrochage de la pince. Ok. Et le dernier. C'est bon là? Nickel. Ici il y a quelque chose. Non, je peux rien faire. Là il n'y a rien d'autre. Et là il n'y a rien d'autre. Bon bah je pense que je peux retourner. Entrer les coordonnées de Torrance. Ouais bah je pense que je peux y retourner hein. Voir juste, je veux voir ici. Ah voilà, je me disais il y avait un truc. Il se passe quoi là? Bon. Je pense que là je peux y retourner du coup. Allez, allez. J'ai l'impression que c'est une éternité pour traverser à chaque fois. Tellement c'est long quand elle marche. Alors. Entrez les coordonnées du torrent. Je connais pas moi les coordonnées du torrent. Ils sont géniaux. Ah ok, ça vibre. Donc ça doit être ça. Je pense, hein, parce que sur la manette, en tout cas, ça vibrait. Parce que je me disais, ça allait être bizarre pour essayer de trouver, enfin jouer à la devinette sur les coordonnées. Donc là je pense que ça va vibrer encore une fois. Ouais. Nickel. Là c'est bon. Torrance, Torrance, ici Ripley sur la station. Verlaine, tu me reçois? Ripley. Putain, mais qu'est-ce qui se passe sur la station? C'est la merde, Torrance. Il y a un organisme alien ici. Mortel. On a besoin d'une évacuation d'urgence. Un quoi? Pas le temps d'expliquer, s'il te plaît, Verlaine. On a mis pas où s'arrimer, Ripley. Et la station commence à se détacher. J'ai vu une plateforme de remorquage sous le terminal de décollage. Mais le cordon ombilical du Torrance n'est pas conçu pour. Faut que tu déploies les bases de la plateforme de remorquage côté station. Mets-toi en position. Ok, donc trouver un moyen d'amarrer le Torrance. Donc est-ce que je dois retourner? Ok, c'est à l'autre bout de la planète. Bon, d'accord.
Donc le temps de revenir déjà avec la tenue là, je vais mettre 10 ans. J'ai presque envie de sauter là, mais bon, je pense que j'ai pas envie de me dépouiller, on sait jamais. Allez. En plus, bon, là, on va avoir les mecs qui vont être pas très contents. Par un petit peu en live, ce vaisseau, j'ai l'impression. Par contre, ce qui me surprend pour le moment, c'est qu'on n'ait pas croisé d'aliens. Qu'on croise que des mecs. Alors que pourtant, auparavant, il y avait... on voyait qu'un seul alien au début. Alors après, je sais pas si c'était juste, enfin, un seul alien ou si c'était plusieurs qui tournaient sur le début de la vidéo, mais enfin le début de la série. Mais c'est vrai que du coup là, on voit plus d'aliens. Alors pourtant, il y en a 36 000 encore. Donc ça me paraît bizarre. Mais je pense qu'à un moment, on va se taper tout le monde. Tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà. Je peux pas regarder derrière. Ok. Nickel. On va changer tranquille. Nickel. Et là, on va sauvegarder. Histoire d'être encore plus tranquille. Voilà. C'est parfait. Du coup, alors. Comment ça se présente d'accord, je dois aller... Ah non. Retourner auprès de Ricardo. Pourquoi ils me disent retourner auprès de Ricardo? Ou alors, je dois peut-être retourner auprès de Ricardo pour qu'il m'ouvre des portes. C'est peut-être ça. Parce que là, bon, après, de l'autre côté, je sais qu'il n'y avait rien. On va voir. On va aller le voir. Ouais, déjà, faut aller ici. Voilà. Ricardo, prépare-toi à bouger. On se casse. Ricardo, tu m'entends? Ricardo, réponds. Ok, donc il s'est passé quelque chose. Donc... au moins là on est sûr, on va aller voir Ricardo. Et la porte est fermée. Wow. Il y a des mecs qui courent partout. À votre point d'évacuation et attendre des instructions. Ouais. Oui, il vient de se faire dépouiller. Hein. On va attendre qu'il parte, en espérant qu'il parte. Donc la hyène est partie là-bas. Quand il y avait un autre mec au loin. J'étais sûr qu'ils allaient revenir à Alaskar. Ok, l'autre il tourne là-bas. Non, referme-toi la porte. Ok, il se tire. Donc en fait, là il fait des sortes de rondes. Hein. Alors, on va y aller, on va voir s'il revient. Je crois qu'il est reparti là-bas à droite. Je vais juste vérifier. Ouais. Ok. Là, ce qui serait bien, en fait, ce serait de vite passer en dessous.
Mais en gros, je vais pas avoir beaucoup de temps. Hein. Là, il arrive. J'ai pas envie d'y aller. Nickel. Et on se barre vite. Là, j'ai un peu la pression, hein. Alors par contre... Voilà, ce qui me fait peur, c'est d'ouvrir la porte et d'avoir la hyène. Alors déjà, attendez, on va recharger vite fait. Parce que là, je pense que je vais en avoir besoin. J'ai rien. Je peux faire une mine, mais bon, pff, je trouve que c'est pas très utile. Normalement, il est là. Allez, barre-toi. Pourquoi il se barre pas? Ok. Oh là 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 là. En tout cas, je me sens mieux que d'être en, que d'être en dessous. Hein. On va se faire la petite sauvegarde. Voilà. Et on va partir. Nickel. Eh bien, j'ai eu très chaud. Hein. J'aurais pas pensé réussir du premier coup. Là, chapeau, franchement. C'est là. Donc, je dois aller en face. Vous, je le sens pas. Ricardo? Oh non. Oh merde. Ricardo. Bon. Du coup, je suis censé faire quoi maintenant? Du coup, je dois aller trouver un chemin vers la tour d'habitation Solomons. Hasard, là je peux pas y aller.
Je me rappelle plus trop là à quoi ça servait. Non, ok, je peux rien faire là. C'est embêtant là que je puisse rien faire. De voir est-ce que du coup il y avait des choses que j'avais pas pu prendre la première fois et qui peuvent m'être utiles. Non. Non. Bon. Attention à la hyène. Wow! M'a dépouillé. Il m'a dépouillé. Alors, on va se faire un petit sauvegarde. Voilà. Juste c'est pas là-bas, hein, non. Oh là là, j'ai flippé. Donc est-ce que c'est bien là? On va bien voir. En tout cas, je vais pas m'attarder trop longtemps. Voilà, nickel. Mais ça serait bien d'avoir quelques munes. Oh non. Ça commence à être vraiment très galère, hein. Non! Compte, j'ai plus rien, j'ai plus de mun. La prochaine fois, j'y passe. Est-ce que c'est bien là? Plutôt par là. Allez. Mais là, ce qui me fait chier, c'est vraiment de plus avoir de mun au niveau du lance-flamme, parce que la prochaine prochain affrontement, je vais y passer face à un alien. Donc ça me plaît pas trop. Après bon, j'ai pas mal de mun, enfin j'ai pas mal de cartouches sur le reste, mais j'aurais peut-être pas dû les affronter et essayer de me cacher un petit peu plus. Là j'ai peut-être fait une erreur sur ce point-là. On verra bien. Mais je pense que là va falloir la jouer vraiment discret, hein. Alors. Ok, donc trouver un moyen d'amarrer le Torrens. Et le point de sauvegarde est juste ici. Oh merde! Oh là 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 là. Il manquait plus que...
Ça va, je peux faire un petit medikit. Voilà. Il est pas parti, je crois, la hyène. Ouais, il est encore là, je crois. Allez. Je sens qu'il va venir ici. Et que je vais être dans la merde. Ça va, il est reparti. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va venir. Tu veux pas te barrer sinon? Oh là 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 là. Celui-là, je crois que ouais, il va pas me laisser tranquille. Donc, transit de la tour d'habitation Solomont, rétablir le courant. Ah oui, alors ça va être très hard. Ça va être vraiment très hard. Mais pourquoi la hyène ne se barre pas? C'est ça que je comprends pas. Il est parti où? En fait, il se tape des délires, je crois. Je crois qu'en fait il arrêtera pas de faire des rondes jusqu'à la fin. Ah bah voilà, il est parti. Alors je vais re-sauvegarder vu que là je suis tranquille. Parce que tout à l'heure j'avais été à ennemi proche. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'occuper de rétablir le courant sur la prochaine vidéo. Là je crois que ça fait 40 minutes, je crois qu'on est plutôt bien. Si je continue après ça va commencer à taper 10-15 minutes de plus, voire peut-être encore 20-30 minutes. Donc on va s'arrêter là-dessus tant qu'on est tranquille et j'irai rétablir le courant sur la prochaine vidéo. Eh bien écoutez, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit j'aime. Ça va être très compliqué je pense pour la prochaine vidéo étant donné que j'ai plus de lance-flammes. Mais bon, on va bien voir. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de mes aventures aussi bien sur Alien Isolation que sur d'autres jeux, et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.